Donc avec Thierry Peuch-Lestrade, en première mi-temps, les Occitains, avec beaucoup d'envie, beaucoup de courage, vous ont fait déjouer. Vous tournez à la mi-temps qu'avec 9 à 6. Et la deuxième mi-temps était plus à votre avantage. Ah oui, c'est tout à fait ça. Je crois que on savait que ce serait un match compliqué parce que ben, les Occitans sont très mal. Donc chaque match compte et à travers chaque match, il s'engage énormément. On l'a vu la semaine passée à Agen où, malgré leur défaite, ils avaient réussi à mettre 4 essais à cette équipe d'Agen. Donc on savait qu'ici, ils lâcheraient rien et c'est ce qui s'est passé. Et en plus de ça, je crois qu'on est tombé sur une équipe d'Orléans qui était aujourd'hui beaucoup trop approximative, on l'a vu en première mi-temps, avec une conquête qui a été souvent contrée, hein, que ce soit en touche, que ce soit en mêlée, avec une tenue du ballon qui a été aussi très approximative. On a perdu beaucoup, beaucoup de ballons. Donc voilà, ça fait que d'un côté, c'est aussi très accrocheurs qui nous ont vraiment donné beaucoup de fil à retordre à chaque impact. Et nous, incapables de tenir le ballon. Donc c'est vrai que c'était une première mi-temps extrêmement hachée, avec, c'est vrai, beaucoup de difficultés à mettre notre jeu en place. Hein. Maintenant, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, peut-être aidé par les cartons jaunes qu'a reçu cette équipe d'Auch, on a pris quand même le jeu à notre compte avec des essais à la clé. Alors c'est vrai que sans un grand match, on a quand même réussi à avoir ce bonus offensif. Bon, mais c'est la bonne chose de la soirée, on ne prend pas d'essais, on arrive à prendre le bonus offensif. On retiendra ça d'aujourd'hui, en sachant qu'on est pratiquement aussi, on est sauvé. On sera en Pro D2 l'année prochaine, je pense, à travers ce match. Donc voilà, ça va nous permettre de travailler plus sereinement, peut-être dans la suite de cette compétition, d'intégrer peut-être des jeunes joueurs qui n'ont pas beaucoup moins de temps de jeu, je dirais. Et puis voilà, préparer aussi cette future saison.